Aujourd'hui, on va faire un petit leg day, une petite séance jambes. Là, j'ai quitté le taf, je suis fatigué, mort. Et j'ai envie d'envoyer les jambes. Tu vois, je viens de me faire mal. On va pas faire beaucoup d'exos. Je verrai si je ferai les jambes haut du corps. C'est pas sûr. Parce que j'ai fait une séance biceps hier, biceps triceps. Et là j'ai mal. Tu vois, j'ai très mal au bras. J'ai des crampes de fou au bras. Donc je sais même pas si je vais faire le haut du corps. Je verrai. Mais je vais faire les jambes un peu. Mais bon, on va travailler les jambes. Séance squat, sans rien. Et faire ça bien. Parce que c'est important. Donc là, je fais mes étirements nuls, là. Mais qui me sauve. Et après, je balance. Je vais faire ça bien. Là, j'essaie de faire des fentes. Des squats, mais pas à la barre. Des squats, peut-être gobelet squat. Et peut-être le sled, le traîneau, là. Faire ça bien. Et aussi, soulever de terre, jambes tendues, RDL. On va faire ça bien. Premier exo, soulever de terre, jambes tendues. On va faire 15 reps, tranquillement. J'ai pris 15 kilos. Ça va. Je vais pas mettre trop lourd aujourd'hui. Faire une séance cool. Mais on va faire ça bien. Allez. Une. Deux. 3, 4, allez, 5, 6, 7, ça fait déjà mal, allez, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, parfait. Repos, on va se prendre 2-3 minutes pour être bien. Tu vois, RDL, tu peux le faire soit à la barre, soit aux haltères. Moi, j'aime les deux, personnellement, les deux se valent. Je préfère la barre, je crois. Enfin, je peux pas dire que je préfère la barre. Mais je mets plus lourd à la barre, tu vois, je mets plus lourd. Donc c'est bien à la barre. Mais aux haltères, le fait de tourner un peu avec les poignets et se baisser, j'ai l'impression que tu as un peu plus d'amplitude. Mais à la barre, quand tu as de la souplesse, comme moi, juste sur ces mouvements-là, j'ai de la souplesse. Quand tu te mets sur un step, quand tu te mets en hauteur, tu peux bien descendre. Et ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Moi, je crois que je mets 100 kilos. Ouais, je mets 100 kilos, je crois. Que pour certaines personnes c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup, c'est énorme. 100 kilos des séries de 8, je suis bien, je sens bien mes ischios et ça me permet d'être bien. Ça me permet vraiment d'être bien, tu vois. Oh. On va repartir, mais 15 reps c'est bien. 15 reps c'est bien. 4 séries ça va me tuer. On repart. Allez, on y va. Deuxième. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez. Six. Comment? Sept. Ouais. Huit. Neuf. 10, 11, comment, ouais, 12, ouais, 13, allez, 14, last, 15, ok, parfait, ouais. Deuxième validé, il en reste deux encore, je pense qu'on va monter, je vais mettre 20 kilos là, les deux derniers reps, 20 kilos, on va quand même envoyer 15 ou essayer d'aller à 15, essayer de se faire mal. Et puis voilà. Hein. Les ischios, c'est mon point faible.
C'est vraiment le point, enfin le muscle, les muscles, pardon, des jambes que j'ai envie de développer. Donc voilà, je vais les fracasser, je commence par ça. Je commence par ça. Là, de ces haltères octogones, je peux juste aller à 20 kilos. Mais l'idéal plus tard, ça va être de prendre les haltères plus gros, tu vois, et de taper 30, 40, 50 kilos en haltères. Parce que certes, à la barre, c'est bien, c'est lourd, mais en haltères, tu vois, j'ai vraiment envie de taper dans le lourd aux haltères. Vraiment. Allez, on y va. Troisième. Troisième, troisième. Comment? Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Comment? Sept. Allez. Huit. Neuf. Comment? Dix. Allez. Onze. Oh. Douze. Allez. Treize. Ouais. Quatorze. Oh, 15, parfait. Oh. Franchement, je vois le changement. Je vois le changement. 20 kilos, ça change tout. Ça change tout. J'ai mal, j'ai chaud, c'est incroyable. Mais ça qu'il faut. Ça qu'il faut. Le but, c'est de rentrer dans sa séance et de valider tranquillement les reps, les séries pour bosser de la bonne façon. Oh. Allez. Dernière, dernière. Fais ça bien, c'est parti. Oh. On y va. Oh. Comment? Une. Deux. Trois. Ouais. Quatre. 5, comment? 6, comment? Allez. 7, ouais. 8, allez. 9, 10, 11, 12, allez. 13, encore 2, encore 2. 14, last one. 15. Ok, parfait. Là, je vais faire un petit squat avec l'haltère en gobelet. Malheureusement, j'ai pas ma ceinture, enfin le squat à la barre, et je sens qu'avec la journée que j'ai passée, tu vois, au taf, ça va être compliqué le squat à la barre, vraiment. Mais on fait quand même un petit rappel, on fait quand même ce mouvement, ce mouvement complet pour l'ensemble des jambes. Que ce soit ischio, quadri, fessier, ça travaille tout, tu vois. C'est que pour moi, comme je l'ai dit, c'est plus les fessiers que je sens. On va le faire en gobelet. Alors, je vais les faire 15 reps aussi. Mais je sais pas comment ça va se comporter avec mes genoux. Donc, je vais le faire en gobelet avec 2 secondes de tempo vers le bas. Comme ça va me donner de la force pour le faire à la barre plus tard. Faut pas que ça tape le micro. Et on y va. Une, deux. Une. Une, deux. Deux. Une, deux. Trois. Une, deux. Quatre. Une, deux. Cinq. Allez. Une, deux. Six. Je m'arrête à 10. Une, deux. Sept. Allez, 1, 2, 8, allez, 1, 2, 9, 1, 2, ok, 10, wow, ah, j'ai mal,
Normalement, c'est pas censé faire mal comme ça, mais j'ai mal, c'est incroyable. Prendre mon énergie gel là. Énergie gel, le meilleur complément. My protein, mon complément, mon gel. Parce que je sens que la séance a commencé à être dure. Il me reste une heure là. Mais je sens que je vais souffrir. Le but, c'est de me faire mal et de valider une séance en jambes. Sans jambes, sans faire de leg extension, sans faire de leg curl, sans faire de squat à la barre. Il y a un high squat ici, c'est bien. Il me semble qu'il y a un, je sais plus comment ça s'appelle, un squat que tu peux faire en prise sumo là, un belt squat, tu vois ça, belt squat. Il y a de bonnes machines jambes ici. On va pas faire tout ça. De 1 parce que les angles c'est compliqué pour se filmer parce qu'il y a du monde et tout, et de 2 c'est que j'ai vraiment envie d'entraîner mes jambes sur toutes les formes, les formes des haltères, les formes d'endurance, force. J'ai envie d'être complet au niveau des jambes. Tu vois, ça fait longtemps que je suis pas allé au foot US, ça fait longtemps. Faut que quand je revienne, ils savent que je suis pas parti pour rien. C'est important. C'est important. Là, faut pas que je sois juste fort. Faut que je sois inarrêtable. Pour être inarrêtable, mon haut du corps est bien, mais mes jambes sont pas bien. Tu vois. Faut que mes jambes soient bien. C'est important. Allez. Là, par contre, je me suis chauffé et je me suis dit là, j'ai repensé au foutu, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 4, comment, 1, 2, 5, 1, 2, 6, allez, 1, 2, 7, oh, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, alors encore 5, 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, allez, 1, 2, 14, 1, 2, 15. Le but, c'est pas de me cramer non plus. C'est que là je me crame, mais c'est de faire une bonne séance malgré tout. C'est énervé faire une bonne séance, mais si je veux être fort, je suis obligé de me cramer. Je suis obligé de cramer mes jambes et de leur montrer que chaque séance, il faut que j'en peuve plus pour que quand les fibres se reconstruisent, ils se reconstruisent plus fort, plus dur, et que je devienne meilleur. Vraiment. J'ai pas le choix. Je sais que c'est les pires séances, c'est de la torture. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je dois me faire mal. J'ai pas le choix. Mais je vais me faire mal. Il m'en reste 2. Les 2, je les fais à 15 aussi. Je prends le temps de repos qu'il faut. C'est-à-dire que je peux prendre 2, 3, 4, 5 minutes, mais je vais faire 15. Même si je fais 10. J'ai mal, je pose l'haltère, c'est pas grave. Je me relève. Même si je dois en faire une, poser l'haltère, c'est pas grave, je vais en faire 15. On va en faire 15. Avec les 2 secondes en bas là. Du moins, je vais compter. 1, 2. Et je monte avec un petit tempo. Mon but, c'est pas de soulever super lourd au squat. Mon but, c'est d'être inarrêtable dans les jambes. Et je le serai. C'est tout ce qui me manque. C'est tout ce qui me manque, c'est ça. Donc, on va se donner à fond. On fait ça bien. Tu vois, comme je t'ai dit, il y a des séances où on fait 3 séries, on est bien. Et d'autres où on fait 4.
Là, c'est 4. Allez, comment? 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, ouais, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, t'es pas faible, 1, 2, 12, t'es pas faible, 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15, t'es pas faible, t'es pas faible, ouais, comment du goblet squat peut te mettre en PLS comme ça? C'est une dinguerie. Même si j'ai travaillé avant, même si tout ça, pas grave. Je sais pas si me mettre en PLS comme ça. Je sais pas si me faire mal comme ça. Oh. Mais c'est même pas ça que je redoute le plus dans ma séance. C'est les fentes. Les fentes, les gars. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent, pour ceux où on a fait les programmes ensemble à la maison. Les fentes, les gars. C'est dingue comment j'aime pas ça. Mais il faut que ce soit mon meilleur exercice. Plus tard. Il faut que ce soit l'exercice où j'ai plus mal aux genoux, je kiffe les faire. Je me dis quand je les fais, c'est bien. Tu vois. Il faut que je kiffe les faire, les fentes. Plus tard. Il ouais. Faut que je prenne du plaisir. Comme tous les muscles à bosser. Faut que je prenne du plaisir. Oh. Je me pose et je pars pour la dernière. Le thème, il est simple. On valide. On valide. On fait ça bien. On fait ça bien. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, allez, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, ma tête elle tourne. Ma tête tombe pour la merde. Allez. 1, 2, 11. 1, 2, 12. 1, 2, 13. Allez. 1, 2, 14. 1, 2, 15. Ouais, là, je vois flou, là. Dinguerie. Je vois flou. Je vois deux fois mon shaker, mes protéines. Oh. Écoute, même si je rentre en marchant, même si j'ai 30 minutes de marche pour rentrer à la maison, il faut que je valide ma séance. Il faut que je valide ma séance, c'est important. C'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. J'ai pas le choix. Les 100 jambes doivent être le plus de séances que je fais dans ces bulk days. Pour les 100 premiers épisodes que je vais faire,
il faut que la majorité de toutes mes séances soient des leg day. Vraiment. Sinon, j'aurais échoué. Et là, j'ai échoué dans plein de choses. Mais j'ai pas envie d'échouer dans ça. J'ai pas envie. Parce que c'est comme ça que je serai meilleur. Bon. Fente. Alors, pour les fentes, comme je le dis à mes personnes qui sont en suivi, soit tu les fais en statique, ou soit comme moi, t'as une petite piste et tu fais des allers-retours, tu vois. Là, comparé à Basic Fit, ce qui est bien, c'est que la piste, elle est pas super longue. Basic Fit, elle doit faire deux fois celle-ci, là. Je vais faire un aller-retour. Ça va me coûter comme une série. Ok. Et ce qui est bien, c'est que le fait d'avancer d'un point A à un point B quand tu fais un exercice, et ben, ta série, elle n'est pas chiffrée. Elle est par objectif. Tu te dis, je dois faire un aller-retour, je dois aller là-bas. Et du coup, ta motivation, elle est différente, tu vois. Et je préfère. Allez. Le genou ne touche pas le sol. Ça me fait mal quand même. Oh, on triche pas pour la dernière. Même si on sort du terrain, c'est pas grave. Allez. Oh. Ouais. Allez. Last. Ok. Oh. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal. C'est une dinguerie. J'aime pas la force d'aller plus proche de la caméra pour discuter. Mais ça fait vraiment mal. Les fentes, c'est ma bête noire. Je déteste ça, mais c'est un exercice tellement important qui fait tellement du bien. Oh. Pour les quadris, ça fait du bien. Faut que je les bosse. Je vais m'en faire 4, mais ça va être dur. Ça va être dur, mais je vais valider. 4 allers-retours. C'est rien. C'est vraiment rien. Par contre, il est 22h21. Malheureusement, je vais prendre un temps de repos court et pas trop long si je veux bien faire mes 4 séries. Oh, je me pose un tout petit peu, peut-être 1 minute à 23 et je repars. Bon, on va repartir. J'ai pas dit au niveau poids, j'ai pris 12,5 kg. J'ai pas pris plus. Parce que je ne veux pas avoir trop mal, tu vois. Je voulais que ça soit réalisable, mais qu'il y ait un minimum de difficulté pour moi. Et le but, par la suite, bah, c'est de monter en poids, ce qui est logique. Et de faire ça avec des 30, des 50 kilos par bras et de se tuer. Allez. Allez. Concentré. Oh, comment? Allez. Ah. Allez. Ah.
c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je dis, j'ai mal au genou, mais demain je me repose, demain je pars à la salle. Faut que je valide. Même si j'ai mal, faut que je valide. Faut que je valide. Faut que je valide. Faut que je valide ça. Oh, j'ai plus d'eau. Plus rien. Oh. Je vais remplir ça là. Et je reviens pour mes deux dernières. Dès que je reviens, je repars. On a ramené l'eau, on est bien. Oh. J'ai encore essoufflé, mais c'est pas grave. Même si que je dois faire des micro-séances jambes. Et ben je ferai des micro-séances jambes. Comment? C'est rien. C'est rien. C'est rien. Oh. Comment? Allez. Let's go. Let's go. Come on. Allez. C'est dans la tête tout ça. C'est dans la tête, c'est pas lourd en plus. C'est pas lourd. C'est pas lourd. C'est pas lourd. Ok. Bah, je crois qu'il m'en reste une là. Je pense qu'il m'en reste une. Une après on est bien. Oh. Ouais. Le but, c'est de valider. Le thème, c'est de valider sa séance. C'est important. Moi je crois qu'il m'en reste une là. Il m'en reste une. C'est bon, j'ai vérifié, il m'en reste une. Il m'en reste une. Parfait. Dernière, last. Fais ça bien, il est l'heure. 22h29. Très bien. Très bien. Plus important, c'est de valider. Plus important, c'est de valider. Même si on a mal. Le thème d'aujourd'hui, c'est valider. Je dis souvent, faire les choses bien, c'est important. Les choses bien. Comment? Hey. Hey. Comment? Hey. Comment? Comment? Qui fait les gens moi samedi soir? Ok. Oh. Allez. Hey. Je peux pas perdre. Je peux pas perdre. Je peux pas perdre. Allez. Ça rien. Allez. Allez. Last. Ok. Wow. On a validé. On est bon. On est bien. On va se poser vite et on va repartir sur du sled, le traîneau. Ça va faire mal ça aussi, mais ça va travailler tout ça aussi. Ça va travailler ischio, quadri, mollet, ça va tout bosser. On va faire une phase où je vais le pousser et l'autre phase où je vais le tirer.
Et ça, ce qui est bien, c'est que quand tu le tires, eh ben, ça soulage un peu tes genoux. Donc ça me fait un exo de force et de rééducation aussi en même temps. Donc c'est très très bien. Bon, c'est parti pour le sled. 4 tours. Et après la séance, elle est bouclée pour nous. On y va. Ça va, il n'y a pas beaucoup dessus. Je sais pas combien de kilos, mais il n'y a pas beaucoup. Ouais, allez. Allez. Allez, ce qui est bien, c'est que je vois les chiffres sur le sol s'arrêtent à 10. Allez, 7, 8, 9. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Et oui, je l'ai pas dit. Mais je compte 10 secondes de repos et j'enchaîne les 4 tours directement. Allez. Ok. Allez. 1. 2. Super. 3. Allez. 4. 5. Allez. 6e point. Allez. 7, allez, 8, ok, 9, c'est le dernier, et le dernier a marqué Fitness Park, c'est incroyable, allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, comment, allez, c'est le troisième, allez. C'est rien. C'est rien. Ok. On y va. Allez. 1. 2. Super. 3. 4. Allez. 5. Ouais. 6. Ouais. 7. Allez. 8. Comment? Comment? 9. Ok. Dernière. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 1. Allez. Mal. 1. 2. Faut que tu sois bon en cardio aussi. 3. Allez. 4. Allez. 5. Allez. 6. Allez. 7. Allez. 8. Allez. 9. Et là, on repart sur le repos. Directement. Oh. Allez. 1. 2. Allez. 3. Super. 4. 5. Ouais. 6. Comment? 7, allez. 8, allez. 9. Ok, parfait. Parfait. On est bien. Oh. Je vais décharger ça là. Bon, c'est tout point pour cette séance jambes. Je vais faire un peu de contenu vertical là, pour les réseaux, pour Insta et tout. Mais je vais m'arrêter là. Franchement, je suis KO, ça m'a fumé, mais ça m'a fait du bien quand même de la faire cette séance jambes.
C'est une petite séance, hein, 4 exercices, parfois ça suffit, tu vois. Mais je vais faire des petits rappels comme ça va faire du bien, ça va me rendre plus fort. En tout cas, merci pour les commentaires des Bulk Day. Merci des messages, des abonnements aussi, parce que les personnes s'abonnent sur cette série, grâce à cette série. Donc, merci beaucoup. Moi, je vais te dire, porte-toi bien et à la prochaine pour un nouveau Bulk Day.